C'est Yves Lecoq à l'antenne pour commenter ce match qui promet d'être véritablement sensationnel. C'est un match qui s'annonce sans pitié. Le départ est maintenant donné et nous allons vite savoir quelle équipe va prendre l'avantage. Autrefois, le foot ne générait pas beaucoup d'argent, mais depuis quelques années, les enchères ne cessent de grimper autour des joueurs. En plus, c'est un sport qui peut permettre à des jeunes défavorisés de s'en sortir grâce à leur unique talent de footballeur. Sans doute avez-vous déjà remarqué l'impressionnante architecture de ce stade. C'est un véritable monument des temps modernes. Il paraît que les clubs de supporters étrangers ont manifesté leur colère en bloquant l'accès au stade. Ils se sont plaints de ne pas avoir reçu assez de tickets pour un match d'une telle importance. Le football est un sport tellement populaire qu'il touche toutes les classes sociales. Et même les personnalités du monde politique viennent assister au match, c'est tout dire. Le match sera riche en action compte tenu de la diversité des techniques individuelles de ces nouveaux joueurs. Je me suis laissé dire que ça avait été la razzia sur les tickets. Ils ont, paraît-il, été liquidés en moins d'une semaine. Accélération. C'est un coup franc. Les deux équipes sont parties très très vite, mais une seule a réellement su tirer parti de cette première mi-temps. Longue passe. Accélération. Fin de la première mi-temps, nos joueurs regagnent leurs vestiaires respectifs. Allons messieurs, revenez-nous avec cette rage de vaincre qui fait du football ce qu'il est vraiment, un très grand sport. Mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue pour suivre avec nous cette seconde partie de match. Il va y avoir du sport, je vous le garantis. À ce geste.
geste est impardonnable. Coup franc. Il y a du règlement de compte dans l'air. La tension entre les deux équipes est amplifiée par les cris du public. Oh, s'il vous plaît, messieurs, pas de violence! Touche. Bonne anticipation du gardien. Oh, et goal! Si le score en restait là, personne n'aurait rien à redire. À part les battus, bien sûr. Ah, la vie est dure. C'est pas fini. On joue une nouvelle fois à guichet fermé. Le foot est devenu un sacré business depuis les années 90. Malgré les enjeux des matchs actuels, certains joueurs se sont livrés à des écarts qui pourraient s'avérer catastrophiques pour leurs équipes. Je ne donnerai pas de nom, mais espérons que ce ne sera pas une mascarade comme on a déjà pu nous en faire subir. Le football est un sport d'équipe, pourtant certains joueurs se démarquent du lot, non par leur aptitude à marquer des buts, mais plutôt parce qu'ils ont une forte personnalité qui plaît aux supporters. Avec un peu plus de sérieux lors des entraînements. C'est pas fini! J'ai entendu dire que les tickets pour ce match se sont vendus à prix d'or. Il ne leur reste plus que quelques minutes pour faire la différence. Ah, si ce stade pouvait parler, il nous en dirait long sur les footballeurs de renom qui ont fait leur début ici. Et but ! Ah, je pense qu'il faut se débarrasser de ce gardien avant qu'il ne soit trop tard.
faut dire que les tickets pour cette rencontre se sont vendus comme des petits pains. Magnifique, il a sauvé son équipe. Et hors jeu. Coup franc. L'arbitre va-t-il le sanctionner d'un carton comme il se doit? Et accélération. Les gradins sont pleins à craquer et à ce propos j'ai été choqué de voir que des gens à l'extérieur vendaient les tickets du match trois fois plus cher que leur vraie valeur. Ah, ce genre de trafic devrait être sévèrement puni.